près de 300 migrants ont été interceptés mardi au large de la Libye. Des migrants retrouvés sur des bateaux de fortune en caoutchouc et interrompus sur leur trajet par les gardes-côtes libyens. Le nord de la Libye, principal point de départ pour de nombreux migrants africains, fait l'objet d'une surveillance renforcée depuis cet été sous pression de l'Italie. C'est elle qui fournit un soutien logistique aux Libyens en réparant notamment leur flotte. Des résultats visibles, moins 70% d'arrivées par rapport à l'année précédente, mais à quel prix ? Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, des milliers de migrants seraient ainsi détenus par des trafiquants dans des entrepôts insalubres où les violences sont légion.